quand viendra le moment, il faudra que je l'écrive son histoire. Parce que j'avais des vidéos, alors je m'étais dit, je vais mettre les vidéos que j'avais faites sur lui, qui sont très belles, où on le voit tel qu'il était avant d'être rattrapé par la folie, parce que finalement il avait des troubles apparemment importants, que je n'avais pas soupçonné, absolument pas d'ailleurs, quand je l'avais rencontré. Et finalement, depuis mars 2017, j'ai jamais trouvé le moment pour retoucher ces affaires. En fait, là, c'est vraiment aujourd'hui, j'y retouche, c'est quand même incroyable. Quand il a appelé la police et tout le monde, il est en même temps, il a monté barbare dans n'importe quel bateau qu'il va passer. Ah, et ma oui. famille, il a monté dans un bateau et moi, j'ai monté dans un autre bateau. C'est la chance comme ça. Et moi, j'ai venu en Grèce et ma famille, je ne sais pas. Et je savais qu'ils s'en disaient qu'on va en Allemagne et je crois qu'ils sont en Allemagne. J'étais au Croix-Rouge oui. par rapport à ça et il a pris même mon photo, tout ça. Il n'y a rien de nouvel. Pas de nouvelles de lui. Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours point levé. En après, on peut rester. Sans papier, on peut travailler sans papier, on peut avoir un logement sans papier. Mais ici, toutes les choses qui étaient liées avec papier, ça, c'est un peu compliqué. Et pour moi, ces papiers, c'est quelque chose qui en fait, pour moi, pas très très important. Pour moi, c'est important la personne, c'est les humains qui est plus important pour moi. Il y a un moment de sidération. De grand silence où on se regarde, en fait on n'est pas très très loin les uns des autres, et c'est la sidération. Eux de se dire, mais c'est pas possible quoi, enfin on va peut-être, c'est peut-être la fin du tunnel, enfin il doit y avoir tout ce qui peut se passer par la tête. Et nous de se dire, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible qu'aux portes de chez nous, et de nous on est du bon côté de la Méditerranée, et c'est pas possible que de l'autre côté ça puisse. Voilà, c'est un moment, c'est une fulgurance, ça dure pas longtemps, ça dure quelques secondes où il y a ces lucioles qu'on repère et on se rend compte que ce sont des êtres humains et de la vie derrière. Et là, après, vous voyez, hyper vite, quoi.